Nous traversons une zone agricole du nord de la Thaïlande, sur fond de rizière, pour nous rendre à Sukhothai. Nous y allons au volant de cette Toyota, en n'oubliant pas de rouler à gauche, bien entendu. Première étape, Si Sachanalai, qui est inscrite à l'UNESCO. C'est un peu la petite sœur de Sukhothai. Ceci dit, le site est assez désert. Sukhothai est un site très visité en Thaïlande. Sukhothai. Les murs de la ville de Sukhothai forment un rectangle d'environ 2 km sur 1,6 km et il y a 193 ruines sur 70 km carrés de terrain. Nous visitons en priorité le Wat Mahathat, c'est le grand temple, c'est le plus important. On y accède en passant devant un Bouddha assis. Il a été construit entre 1292 et 1347. Sa conception est basée sur un mandala représentant l'univers avec un stupa central construit en 1345. Et ceci pour enchâsser des reliques du Bouddha. Il est entouré de plusieurs salles et stupas secondaires. Il y a également des statues de Bouddha de plus de 9 mètres de haut. Ce sont les Pra-Atharoth. Nous nous rendons au Wat Sasi. C'est un petit temple qui est situé sur une sorte d'île à proximité du monument Ramka Heng. C'est un des plus beaux endroits de Sukhothai. Le temple a un stupa de style Lanka et le Vihara de Wat Sasi est situé du côté est du stupa. Puis nous nous garons devant le Wat Si Savai. C'est un des temples les plus anciens de Sukhothai qui a été fondé à la fin du XIIe siècle en tant que sanctuaire hindou de Vishnu. Il y a 3 prangs en latérite qui sont bien conservés. Ils représentent la trinité hindoue, le Trimurti. Et les parties inférieures des prangs sont apparemment khmères. Et les parties supérieures ont été agrandies ou rénovées par les Thaïlandais. Plus tard, vers le XIVe siècle, ce temple a été adapté à la religion bouddhiste et des viharas ont été ajoutés au sud du prang central. Le Wat Chang Lam, c'est un complexe de temples avec un grand stupa de style lankais. C'est une grande cloche de briques de 18 mètres de côté et 32 sculptures d'éléphants se tiennent autour de la base.